Events. Ouais, béni quoi, pain. Moi, j'ai compris que le pain et le béni noir, c'est une question d'amour. Ce matin, je suis allé à la boutique, j'ai dit, ben lui, le boutique m'a servi ça dans le pain. Mesdames et messieurs, je vous vois, vous êtes nombreux et je suis encore fier d'être béni noir. Et cette année, vous savez, le Bénin a battu le record en termes d'actualité. Lorsqu'on le compare aux autres pays, prenez un exemple. Quand on prend le cas du Niger, non, de la Guinée, il y a eu quoi cette année? Coup d'État. Mali, coup d'État. Tchad, le président Idriss Déby Itno est mort. Côte d'Ivoire, Olivia Yassé veut être Miss Monde, elle a attrapé le coronavirus. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, nous sommes le premier pays à avoir réalisé une thèse de doctorat en sorcellerie. Je pense que ça fait. Je me pose une question. Quel est le titre de ce docteur? Parce que quand tu fais ta thèse de doctorat en mathématiques, tu es mathématicien. Tu fais ta thèse en médecine, tu es médecin. Ta thèse en droit, tu es juriste. Quand tu fais ta thèse en sorcellerie, tu es prédéterministe. Les femmes, aujourd'hui je suis avec vous. Les femmes, elles sont sincères. Quand elles sont dans un couple, elles veulent l'afficher à tout le monde. Les hommes, quand ils sont mariés, comme moi, ils ont toujours la main dans la poche, tu vois. Mais les femmes, t'as l'impression que là, tout le monde envoie la bague, t'as vu, c'est ça. Et les femmes, elles sont très sincères. Mais moi, ce que je dis, c'est que les femmes, moi, je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, vous sortez avec un homme, chaque jour vous pleurez, chaque jour vous pleurez, il vous fait pleurer. Un jour, arrêtez-vous face à votre miroir et posez-vous une question. Je suis marié à un humain ou bien à de l'oignon. Les mamans de Bénin, pourquoi vous ne pouvez pas faire comme les mamans de Paris? Non, regardez, en Paris, en France, ton enfant s'appelle Apollinaire. Il doit aller à l'école à 8h. C'est là que tu vois son maman vient. 7h30. Apollinaire, les 7h30, il va falloir que tu te lèves pour aller à l'école, tu seras en retard. Apollinaire, allez, couvre-toi, oups, sous la douche. Ça, c'est 16. C'est où? Tu dois aller à l'école à 8h, c'est à 5h, ton maman vient. C'est là que tu entends. Apo, non, tu as tombé, voilà, faut que tu te connais à toi, les gars. Je m'en vais, on va mettre une vidéo. Laisse-moi là, te voir là. On est parti en Belgique ensemble. On nous a prévenu. Portez des habits chauds. Prévoyez des habits chauds parce que c'est en hiver. Il dit, oh, moi, j'ai pas fait de ça. Voilà. Ici en Afrique, quand il y a matin, je ne porte même pas habits. Je porte des badeurs. Je me suis tué. Moi, j'étais déjà allé à Paris. Je sais ce que c'est que le froid. J'ai porté 17 habits. 17. Après, j'ai porté un imperméable. Et je me suis trappé. Avant de rentrer dans l'avion, il a passé tout le temps à m'amener pendant le vol. Il dit, voilà, regarde. Il fait chaud maintenant. Oh! Dans l'avion, il y a chauffage. Il ne connaît pas. C'est sa première fois. Il ne connaît pas. Il y a chauffage, il ne sait pas. On est arrivé à Charles de Gaulle. On est descendu. On devait prendre le métro maintenant, le TGV pour aller à Bruxelles. On attendait là. Il a même enlevé sa chemise. Il a dit, il fait chaud. Pour nous larguer, il fait chaud. Il a enlevé la chemise. Il était dans le débardeur. Je riais. Le troisième, il riait. C'était l'heure de prendre maintenant le TGV. On est arrivé à l'entrée. Grande porte vitrée, ça devait s'ouvrir ou bien, ça s'ouvre. Ce n'est pas pour la première fois déjà que je participe, et à chaque fois c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Je me suis amusé, je me suis vraiment régalé. Ce sera l'occasion pour moi de vraiment féliciter tous ces talentueux comédiens qui sont passés sur scène aujourd'hui, ces humoristes-là qui nous ont vraiment
donner du plaisir. J'ai adoré. J'ai ri à gorge déployée. J'ai cru que j'étais la seule ici. J'étais satisfaite entièrement. Merci à Edabon, merci à Chromosome, merci à tout le monde. Beaucoup de courage à eux, beaucoup de persévérance. Ce qui est sûr, connaîtront encore des succès beaucoup plus retentissants. Wow! Events.